Diane, dit nous bienvenue dans le point de presse que nous avons fait dans New York City, dans le cadre de la participation du président Jovenel Moïse, dans la 73e session ordinaire Assemblée générale des Nations Unies. Non, pas, c'est Martine Denis Chandler, moi c'est porte-parole président Jovenel Moïse. Eh bien, je nous connais là, président Jovenel Moïse, il est arrivé depuis dimanche dans New York City pour participer dans l'Assemblée générale des Nations Unies. Je ne jeudi à point de presse là, pour aller concentrer sur l'action officielle président Jovenel Moïse fait hier, mardi 25 septembre. Eh bien, nous avons dit, sous invitation président Donald Trump, il était par le président Jovenel Moïse, t'es participé dans conseil de sécurité contre la prolifération nucléaire, chimique et bactériologique. Mais une activité plus importante que président Jovenel Moïse t'a réalisé hier, eh bien c'était participation dans Concordia Annual Summit côté d'été fait une intervention sous thème préparation au désastre dans le développement d'Haïti. Durant l'intervention, ça, président Jovenel Moïse, eh bien, il a présenté tout l'effort qu'a fait dans le pays d'Haïti pour augmenter la capacité dans les affaires risques à désastre. C'est ainsi qu'il a expliqué que il y a un cadre légal qui est élaboré pour renforcer, nous devons dire, la capacité gestion risque et désastre dans le pays d'Haïti. Côté cadre, ça lui-même, eh bien, la permettre que de transformer direction protection civile là, qui sont direction technique en une direction générale, ainsi direction protection civile, abtonné direction générale protection civile. Dans le cadre d'intervention, ça a tout, président Jovenel Moïse a expliqué que il y a 5 stations hydrométéorologiques que ont installées dans 5 rivières dans le pays d'Haïti. Il a expliqué tout que il y a 7 stations sismologiques que vous mettez sur les failles qui gros et qui petit dans la zone sud et dans la zone nord du pays d'Haïti. C'était occasion tout pour le président Jovenel Moïse, dans l'intervention, dans le cadre de sommet, ça, présenter politique environnementale qui chita sur deux aspects prioritaires. Le premier aspect, c'est le programme électrification nationale pays d'Haïti. Côté, c'est à base de l'énergie propre, énergie verte, énergie renouvelable, que nous prenons le produit courant dans le pays par nous, à partir de soleil, à partir de vent, à partir de l'eau et à partir de biomasse. Une autre aspect politique environnemental là, eh bien, c'est le programme reboisement national là, côté président Jovenel Moïse expliquait, eh bien, il y a 14 centres de germoplasme qui pourraient être créés pendant que le président, mais il y a tout, que il y a 3 qui sont en créé et il y a 3 autres qui en cours. Donc ça, c'était participation là, sommet ça. Nous avons dit que la journée entière à poursuivre avec nos rencontres avec John G. Sullivan, qui est secrétaire d'État adjoint des États-Unis d'Amérique. Il était participé de tout, on a parlé du président Jovenel Moïse, il était participé de tout dans une table ronde d'une haute importance sous choléra. Côté président Jovenel Moïse, il était rappelé dans la table ronde ça, quantité de monde malheureusement qui était affecté par la maladie ça dans le pays d'Haïti, quantité de monde tout qui était mort dans le pays PANO à cause de la maladie ça. Mais durant l'intervention, il n'a pas traité sous ça seulement. Il a parlé de nécessité pour renforcer la prise en charge du choléra dans les institutions qui offrent service. Il a parlé tout de nécessité pour faire de l'autre action dans certains domaines bien précis. Par exemple, la construction de 122 centres communautaires de santé. Par exemple, la nécessité d'augmenter l'accès à l'eau potable. Nécessité tout pour multiplier l'intervention agents de santé dans le pays et aussi pour faire plus de sensibilisation dans l'affaire choléra. Donc, c'est quelques domaines que vous devez renforcer pour lutter contre le choléra dans le pays d'Haïti. Et pour réaliser ça, le président Jovenel Moïse a fait appel à la solidarité internationale en sollicitant 390 millions de dollars comme aide financière pour essayer de résoudre le problème choléra dans le pays d'Haïti. Nous avons dit que Ayeto, président Jovenel Moïse, a participé à la réception que Center for Global Health and Diplomacy t'a offert. Journée jeudi, c'est mercredi 26 septembre. Et journée a été bien commencé pour président Jovenel Moïse, côté il a participé dans Bloomberg Global Business Forum, qui sont coquins rencontres qui fait avec monde qui prend décision dans le secteur privé et dans le secteur public, surtout sous nécessité pour un partenariat entre deux secteurs saillants. Eh bien, qui thème session que le président Jovenel Moïse a participé là-dedans, c'était construire des économies résilientes
et préserver les écosystèmes marins dans les pays côtiers du Commonwealth et Haïti. Après ça, président Jovenel Moïse a fait une rencontre très importante avec la directrice générale du Fonds monétaire international, qui c'est Christine Lagarde. Avec Christine Lagarde, président Jovenel Moïse a discuté de réduction de pauvreté dans le pays d'Haïti et plutôt de nécessité pour faire promotion ou croissance inclusive. Ou croissance inclusive, ça veut dire qui ça? Et bien, ça veut dire une croissance qui a mis tout le monde là-dedans, que tout le monde a profité de richesses qui a développé. Après rencontre avec directrice générale Fonds monétaire international, qui c'est Christine Lagarde, président Jovenel Moïse, qui a rencontré tout, président BID, qui c'est Luis Alberto Moreno. Durant rencontre ça avec M. Moreno, président Jovenel Moïse a parlé des projets sociaux, nécessité pour financer les projets sociaux et nécessité tout pour financer des grands projets d'axe de développement du pays. C'est déjà, nous devons dire, activité ça qui fait journée jeudi. Mais je nous connais, je vous annonce hier, bon, qu'aucune chaîne d'activité tout qui prévu dans l'agenda président Jovenel Moïse, la fête entre 6h et 9h du soir, journée jeudi, ça y est, c'est la rencontre avec la communauté haïtienne de New York. Donc, côté président Jovenel Moïse, il va nous faire passer 3 heures de temps avec haïtienne et haïtien dans la diaspora dans New York City. Côté du pal parler de vision, de réalisation et de perspective liée pour Haïti, mais aussi de sa libre effet et qui genre intégration diaspora dans le développement économique pays noir. Nous remercions en pile de l'attention. L'autre grand rendez-vous, c'est demain, jeudi 27 septembre, où le président Jovenel Moïse sera à la tribune des Nations Unies. Merci encore.